sur les masques action. Alors aujourd'hui, ça sera le petit masque pour les lèvres. Voilà, donc on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Ouais, c'est bizarre. Ouais, on va l'ouvrir, on va essayer. Donc il y a marqué qu'il fallait sortir de masque de l'emballage, appliquer sur les lèvres propres et laisser 15 à 20 minutes. J'ai pas les lèvres propres. Propres. Pourquoi t'as léché quoi? Donc on va ouvrir le masque. Comment je vais faire pour raconter au film ma vie s'il faut le garder 15 à 20 minutes? Oh, tu parles pas, tu restes comme ça. Voilà, alors ça se présente comme ceci. Oh, je croyais que c'était rouge moi. Je m'attendais à une grosse bouche rouge. Pourquoi moi c'est mouillé à l'intérieur? Moi aussi. Donc c'est comme ça. J'espère qu'on va pas attraper les boutons quand même. Ah, j'espère pas. Hein. Ouais, imagine demain on a un bouton fait comme ça. Mais c'est de quel côté qu'il faut prendre? Bouton fièvre. Si j'ai pas les lèvres toutes douces demain. Tu portes plein de contractions. Bah, c'est quel côté qu'on met? Mais c'est vraiment mouillé ça. C'est quel côté? Ah ouais, en fait il faut enlever les deux. Ah ouais. Oh c'est mignon. Putain, je pourrais plus parler. Allez, on le met. Par contre, on le met et on se retrouve dans 20 minutes, hein. T'as la bouche de babouin, toi. Dans les lèvres. Attends, ils vont geler les lèvres encore plus gercées. Du coup, Jaël nous a rejoint parce qu'il n'était pas là, il est arrivé juste après. J'ai les lèvres toutes bridées. Ils sont comment ma bouche? T'as pas les lèvres bridées? Non, j'ai l'impression que j'ai la lèvre endormie. C'est vrai quand... Vous savez quand on fait les... Ah, ça me gratte. Vous savez quand on fait les... Je le botte. Quand on fait les... Bah non, pas le tien, pas le tien. Vous savez quand on fait les piqûres chez le dentiste, là, qu'on a les trucs endormis, là. La bouche endormie, mais c'est pareil. Tu le gardes? Ils disent qu'ils font pas ça après. Non, il faut masser quand il a mais pourquoi tu l'as pas mis encore? Ça m'a pas du tout soigné les lèvres. Je le jette? Je peux le jeter? Ouais. Mais il faut le garder là. Ah, c'est bizarre. Attends, non mais... Moi, je sais pas, j'ai la bouche endormie, pas toi? Parce que ça s'est pulpé, je crois. Ah, mais il y a un film en fait. Ça s'est pulpé tes lèvres? Mais c'est pourquoi faut pulper? Pour des lèvres hydratées, douces et pulpeuses. Ah bon? Moi j'ai sens mes lèvres. Justement, je sens mes lèvres toutes rideuses. Pas une. Moi je les sens toutes bizarres. Franchement, je sais pas. En fait, il y a marqué hydrogène, masque. Masque et lèvres hydrogène. Ouais, mais du coup, moi je suis mitigée. Moi j'aime pas. Je sais pas, moi en fait, c'est bien de le mettre et tout, mais je pensais que j'allais avoir des lèvres douces. Moi, je les ai richeuses. Moi, j'ai les lèvres endormies, on dirait qu'il m'a fait une piqûre. Ah, tu les as richeuses? Moi aussi. On dirait qu'on m'a fait une piqûre. T'as les lèvres bleues un petit peu. Ah ouais? Ouais. Et moi? Non, toi, elles sont roses. Je vais perdre mes lèvres. Elles sont en train de mourir. Tant que c'est pas celle du bas. Elle est obsédée, celle-là. C'est à cause de Péline, ça. Ah, Péline, t'as entendu? C'est à cause de toi. Bon. Bon, du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bof. Mitigé, hein? Bof. En fait, faut voir si ça, si une fois nos lèvres désabîment, tu vois? Genre, si ça fait des endormis. Ouais. Je peux aller me laver la bouche, non. Parce que moi, franchement, j'ai l'air endormie. Bon, mais voilà, le résultat, ben, on vous a dit ce qu'on en avait pensé. Après, je sais pas ce que ça va donner par la suite. Je vous dirai si on aura des boutons après. Et puis, voilà, mettez-nous en commentaire si vous avez testé, ce que ça vous a fait. Ouais. Et puis, voilà.
Donc il n'y a plus de batterie, on vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. Bye bye.